Rauti, Rouadati, Alan Wassalam, Mahmoud Abekoum, Fina, Fina, Jiri, Part, j'espère que tu m'as fait na, j'espère que tu m'as fait na, Mler, Alan Wassalam, Yajma'a, Mahmoud Abekoum, les lives d'Algérie Part, encore une autre soirée, des soirées d'Algérie Part, et d'Alan Koutchou, vous fait na, Mler, est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous êtes en train de bien de nous capter, si vous captez bien l'image, vous captez bien le son, Mahmoud Abekoum, les lives d'Algérie Part, une autre nuit d'information, de révélation, d'explication, de débat et d'analyse, tout en interaction avec vos commentaires, Marba Bekom. Naturellement, Lyon, on va continuer de parler de ce qui s'est passé hier, Felmerk, l'Algérie privée de son deuxième gisement, de son deuxième plus important gisement pétrolier. C'est du jamais vu. C'est la première fois depuis que je suis né. J'ai essayé de faire des recherches, en tout cas, historiques dans les archives. C'est la première fois que nous vivons une situation pareille, une situation de crise, une situation exceptionnelle. L'Algérie privée de son deuxième plus important gisement de pétrole. Eh ben oui, une véritable catastrophe. On va parler de cela. On va parler des dernières nouvelles techniques et de ce qui s'est passé réellement. Quelles sont les dernières nouvelles sur les dégâts matériels, etc. Nous allons parler aussi du rôle du ministre de l'énergie qui pose problème. C'était le deuxième gisement le plus important. Les décideurs pour faire des changements vers son attaque. Est-ce qu'il faudrait attendre? Est-ce qu'il y ait des explosions et des incidents au niveau du premier gisement qui est à Hazim Saoud? La situation va être adjub. On parlera après de ces décideurs politiques qui n'ont aucun poids. Et les mabiches et dans la haste ou ma'a y'a j'ma'a. Le Jazair Lyon, le Hukoum, le Jazair Ilia, Kain Bzaf, Menel Wuzara, Liando Mouzn, Yani Ramzi. Ils ont une présence totalement folklorique. Ils n'apportent pratiquement rien au gouvernement. On ne voit jamais travailler, on n'entend jamais parler d'eux. Hadi Yajma'a, Mahbabi, comme encore une fois, bonsoir tout le monde, madame, nous avons l'émission Ta'anium. Je voudrais remercier, faire d'abord une information positive. Allez, parce que vous êtes très nombreux, vous êtes vraiment plusieurs à me réclamer des informations positives. Et je voudrais vraiment, Lyon, vous parler du jeune Sid Ahmed, c'est Ahmed Sami Khan. Ahmed Sami Khan, jeune ingénieur diplômé de l'université de Bab Zouar, khaddam ingénieur dans le service technique d'exploitation le gisement d'El Melk, il travaille pour Sonatrach. Khouna Sid Ahmed Khan, c'était Ahmed Sami Khan plutôt, il était le héros de la soirée de mercredi soir lors de la tragédie. C'est grâce à lui que l'alerte a été sonnée, a été donnée très rapidement. L'Akh Ahmed Sami Khan, jeune ingénieur fait son attraque, c'est lui qui a repéré la fumée au niveau du four, du deuxième train, et dans la deuxième chaîne de production, du complexe, du traitement, ce qu'on appelle, je vous ai déjà expliqué hier de quoi il s'agissait, le CPF de Merck, le centre de traitement des hydrocarbures. Grâce à ce jeune, il a donné l'alerte très rapidement, ce qui a permis aux équipes d'intervention de venir rapidement pour empêcher les flammes de ravager tout le centre de production et de traitement des hydrocarbures. Il y a le cas machi la vigilance d'Ahmed Sami Khan, le cas nar il est petit fi gars centre de production au cas on a khsarna واحد اكثر من 2,3 milliards de dollars. البارح برك c'était le four, pas le bar, mais jeudi c'était le vendredi, le mercredi de 20h30, de 20h20 plus exactement jusqu'à 4h du matin. Qui m'a coûté comme c'était 9h d'intervention. Tu sais, soit il y a un arbre, tu as le four ou tu as quelques installations environnantes. Tu sais, le can, l'alerte n'a pas été donnée rapidement par Ahmed Sami Khan ou ma chef, la fumée. Mais le can, n'a pas été donnée, où l'intervention aurait tardé encore, il y aurait même des vies humaines qui étaient menacées, plusieurs pétroliers auraient pu être pris au piège par les feux, elle appelle comme c'est des installations inflammables, très sensibles, des produits pétroliers, du gaz, beaucoup de gaz à réinjecter dans les champs, dans les puits de pétrole, beaucoup de gaz qu'on doit récupérer aussi. Donc c'est vraiment un simple feu peut s'emparer de tout le complexe
et ça peut se propager très rapidement et causer un drame énorme. Un drame humain, surtout beaucoup de dégâts matériels. Donc, madame Benjamin, on rend hommage à Ahmed Sami Khan, l'opérateur qui a donné l'alerte et qui a pu donc permettre aux équipes de Sonatrach d'intervenir très rapidement. Comme quoi, voilà, c'est une lueur d'espoir. C'est vrai que c'est une catastrophe ce qui s'est passé, parce que quand même les dégâts sont hyper importants, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu vraiment être pire. Dieu merci, ça n'a pas été, c'est pas pire. Dieu merci, on a évité. Le pire, c'est quoi? C'est que tout le complexe prenne feu, que tout soit embrasé par les flammes de tout le complexe. Là, ça aurait été une catastrophe majeure. On aurait eu peut-être le plus grand incendie pétrolier de l'histoire de l'Algérie. L'essentiel, Ahmed Sami Khan, ingénieur à Sonatrach, il a pu sauver ses collègues et ses camarades, et c'est tant mieux. Il fallait absolument que je lui rende hommage. Il fallait absolument que je lui rende hommage. Maintenant, ce qui se passe en ce moment. Malheureusement, les informations, ça a été confirmé, le four est totalement détruit. Le four est totalement détruit. Il est pratiquement irrécupérable. Et Sonatrach doit acheter un nouveau four, installer un nouveau four. Le four, Wahdou, il devrait dépasser les 40 millions de dollars, jusqu'à 50 millions de dollars. Donc, c'est des pertes énormes. Mais le problème, tant que le four, le deuxième train, la deuxième chaîne de production, elle est totalement inutilisable. Et du coup, 50 000 barils de moins ne peuvent pas être produits par jour au niveau du Merck. Il faut savoir que le Merck, il y a le baril de pétrole, 100 000 barils de pétrole par jour. Il y a donc du condensat, du GPL, et tout ça passe par le four. C'est le cœur de la production. Le four, c'est lui qui permet de chauffer le brut pour séparer un peu les gaz, les décompositions chimiques, géologiques, du pétrole, pour le brut, pour qu'il ait une bonne teneur, une bonne qualité. Même trop, au moins, la technique, on ne va pas rentrer dans les spécificités techniques, mais globalement, vous devez comprendre que le four, ce four qui a brûlé, c'est le cœur de la production pétrolière, et sans ça, tout le complexe est à l'arrêt. C'est pour ça que la deuxième chaîne de production et de traitement des hydrocarbures, elle est inutilisable sans ce four. Maintenant, il reste le premier train. Le premier train, il faut 20 jours ou un mois. Il faut une expertise. Il faut qu'il y ait des enquêtes des spécialistes pluridisciplinaires. D'abord, pour un, il faut, est-ce que les autres installations n'ont pas été touchées? Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Est-ce qu'il y a ils vont faire des tests de conformité? Est-ce que quand il y a du le premier train, il n'y a pas un risque d'explosion? Ils doivent évaluer les dégâts matériels, ils doivent savoir l'incendie, qu'est-ce qu'il a réellement, jusqu'à où, jusqu'à quand, jusqu'à quelle partie il a pu se propager. Et donc c'est un travail qui doit durer 20 jours, un mois peu, mine de rien, 20 jours, un mois. Donc tout le deuxième gisement, toute la production du deuxième gisement le plus important au niveau du pétrole en Algérie, après celui de Hassi Messoud, sera inopérationnel pendant un mois minimum. Ce qui signifie, quand on perd les 100 000 barils de pétrole, on perd la production du condensat et la production du GPL, que sont des produits que nous exportons, notamment le condensat qui est c'est des hydrocarbures qui sont un peu légers. Et c'est très recherché. C'est malheureusement très recherché pour nous. On va dire que minimum, nous aurons des pertes de 5 à 10 millions de dollars. Voilà. Ça va avoisiner par jour. 5 à 10 millions de dollars par jour. Donc, je vous laisse imaginer l'addition finale qui sera énormément, énormément chère. Bon, maintenant, d'autres détails techniques. Quand on a des informations totalement contradictoires de la part de la direction générale de Sonatrach, ce qui va se faire? Comment l'Algérie est en train d'essayer de réduire l'impact financier, de réduire les pertes financières? Il y a un accord qui a été signé par l'OPEP en avril dernier. C'était l'accord, le fameux accord du 12 avril, du 12 avril 2020. Cet accord qui a été signé, c'est un accord historique. Cet accord permet de réduire la production de tous les pays pétroliers, enfin les 23 pays pratiquement, les 16 pays membres de l'OPEP, plus les pays qui ne sont pas membres de l'OPEP mais qui ont signé cet accord pour stabiliser un peu les prix sur le marché, alors que le prix du baril de pétrole est en chute. Il y avait le Mexique, il y avait le Canada, il y avait les États-Unis,
et avec la Russie, entre autres, bien sûr. C'est pas la peine de revenir pour sur les détails et les dessous de ces négociations sur de cet accord-là. Nous en avons déjà fait une émission à part. Moi, j'ai considéré cet accord comme très mauvais pour l'Algérie, comme pour les petits pays qui produisent du pétrole. À l'époque, le Mexique n'avait pas accepté de baisser sa production. Il disait que moi, je suis un petit producteur, je produis à peine 600 000 barils par jour. Je ne vais pas réduire encore ma production, alors que vous, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Russie, les États-Unis, vous produisez plusieurs millions de barils par jour. Bon, ce n'est pas important parce que ce qui a été fait est fait. L'Algérie a signé cet accord, elle n'a pas pesé, elle n'a pas utilisé son lobbying, elle n'a pas pesé de son poids, elle a suivi l'Arabie Saoudite, elle a suivi les Émirats et la Russie et les États-Unis, et elle s'est engagée à diminuer sa production de 25%, à savoir 250 000 barils de pétrole par jour. Donc normalement, qu'est-ce que dans les 250 000 barils par jour, normalement, on devait produire dans les 840 000, 850 000 barils par jour. Parce qu'en 2019-2018, on a fait 1 million de barils par jour, mais notre capacité de production était quand même de 1 050 000. On va dire que normalement, avec l'accord de l'OPEP, on devait produire 850 000. Mais l'accord de l'OPEP, il est dégressif, si vous voulez. Il a commencé à partir de mai pour un quota de 9, 10 millions de barils par jour de baisse, 9,7 millions par jour. Même à partir de la rentrée septembre, il y a 8 millions, 7 millions 7. Même jusqu'à début de l'année 2021, il y a 5 millions et quelques. L'accord porte sur des réductions masse, une réduction de 10, de 9,7, de 7,7 et de 5,5, je pense, ou la 5,7 millions de barils par jour jusqu'à début de l'année 2021. C'est un accord qui a été négocié pour une période de 16 mois. L'accord, c'est ce qui a permis au prix du baril de pétrole de remonter un peu et de stabiliser au niveau de 40, 41, 42, des fois 38, des fois 39. Ça reste toujours autour du 40. C'était la seule solution pour stabiliser un peu les prix du baril de pétrole qui sont, à la Belcom, ils se sont totalement effondrés depuis le début du coronavirus Covid-19. Bon, maintenant, on a un peu en exclusivité ce qui va être fait. Parce que c'est l'information que demain, nous allons la sortir demain, cette information. Ce qui va être fait, c'est que l'Algérie, puisque le deuxième gisement de pétrole, il est inopérationnel pendant au minimum un mois, même le premier mois, qui dit, regarde les évaluations techniques, où il chauffe ou brûle le premier train, n'a pas été endommagé, qu'il n'y a pas de risque d'explosion, il n'y a pas eu de fuite, où là, ils vont faire tout un test, des tests de sécurité de très haut niveau, avec même des experts étrangers, pour savoir est-ce que vraiment ils peuvent redémarrer au moins la production du premier train. Parce que le deuxième train, donc les amis, le four. Le four, il faut, il met un appel d'offres, ils ont tiré un étranger, j'ai bon étranger pour l'installer. Et moi, tu recontactes Petrofac, qui est la compagnie qui a construit ce complexe, et moi, tu vas trouver un autre fournisseur, tu négocies, ça peut durer 5 mois, 8 mois, 10 mois, ça peut durer une année et demie, c'est selon les négociations, est-ce que c'est du marché gré à gré, est-ce que certainement sera du gré à gré, parce que c'est une situation d'urgence, je pense pas qu'ils vont faire un appel d'offres un appel d'offres public, combien il va coûter ce four, ensuite il faut son installation, il faut signer les contrats, etc. Donc, le premier train, 50 000 barils de 50 000 barils de pétrole par jour, là. Maintenant, deuxième train, là, 50 000 barils de 50 000 barils de pétrole par jour, là. Les premières 50 000, la première partie, train numéro 1, s'il redémarre, on n'est même pas sûr s'il peut redémarrer. C'est ça la catastrophe. C'est pour ça que c'est une catastrophe économique majeure. Donc, si le premier train peut redémarrer, on ne peut pas produire au-delà de 50 000. Ben, il y a des possibilités techniques pour qu'ils puissent utiliser jusqu'à 70 000, 75 000, 80 000. Il a vraiment sabot qui fait chez Dero. Il a vraiment sabot qui fait chez Dero. Les solutions techniques, c'est vraiment dans l'industrie pétrolière, on peut pas rentrer, c'est très compliqué à vous expliquer, c'est très long à expliquer, mais il y a réellement des solutions techniques qui peuvent nous permettre de reproduire un peu. Le problème, c'est que si on récupère 50 000 ou 60 000 barils de pétrole par jour, on a perdu définitivement la production des condensats. C'est un autre type de pétrole, mais qui est très demandé sur le marché mondial. Et on a perdu la production du GPL. Voilà. Quel GPL, quel condensat, c'est définitivement fermé. Il faudra attendre
l'installation d'un nouveau four et le redémarrage du deuxième train. Maintenant, la seule solution qu'a fait son attrape, chez Habadé, c'est de réouvrir les puits de pétrole, les Rlaknahom, fait Hassim Saoud, notamment dans la région de Hassim Saoud, dans le bassin de Hassim Saoud, pour se conformer avec l'accord qui a été signé fait l'OPEP. Rlaknah des puits de pétrole, Habsom, le nombre de Taham, c'est entre le 20 jusqu'à 80. Voilà. Le puits de pétrole qui est Rlaknah, parce qu'on a diminué la production de 250 000 barils de pétrole par jour. Donc, il fallait mettre les puits, il faut les réouvrir. Et certains de ces puits pour compenser les 100 000 barils de pétrole par jour qu'on était en train de produire, fait le même qu'on ne peut plus produire. Maintenant, il faudra savoir quels sont les puits qui vont être réouverts vers Hassim Saoud. C'est possible. C'est la seule possibilité des prêts. Ceci dit, même si on réouvre et on relance les puits de pétrole, les Rlaknahom, depuis avril et mai, pour se conformer avec l'accord de l'OPEP, auquel l'Algérie a adhéré, ça sera très compliqué de limiter les, encore une fois, les pertes financières. Yanni, les pertes seront au minimum de entre 250 millions de dollars jusqu'à 500 millions de dollars. Voilà, les pertes seront ça. Et en plein contexte de coronavirus Covid-19, c'est vraiment une situation hasardeuse, une situation qu'on aurait dû éviter, qu'on aurait pu éviter, Monseba dont on n'a vraiment pas besoin. Maintenant, les pertes peuvent être, le cas d'un train numéro 1, Meimchich, Hagda, ou Tress, ou Gagne le complexe, l'installation, il faudra refaire beaucoup de réparations, il faudra remettre à jour, ou là, carrément, revoir toute la maintenance du complexe. Les pertes peuvent dépasser les 1 milliard, voire 2 milliards de dollars jusqu'à jusqu'à pratiquement premier semestre 2020, la fin du premier semestre de 2021. Le problème, c'est que les au-delà de ces pertes matérielles, qui sont immenses encore une fois, c'est que, la direction générale de Sonatrach. Le PDG directeur général de Sonatrach, il s'est déplacé. D'abord, il a fait Algérie Park. La direction générale de Sonatrach n'a pas informé le ministre de l'énergie. Abdelmajid Attar n'était pas au courant de cet incendie, de cette explosion, de ce drame, mercredi soir. يعني حتى لندمان جودي ماتان باش يسمع وانا نقولها لك انا شخصيا سمعت قبله باش نقولها لكم بكل صراحه يعني كي صحفي يسمع بالحكايه بالمعلومه ان انسوندي كبير avec un drame terrible des millions de pertes aux millions de dollars ça veut dire avant même يعني يسمع بالحكايه هذه avant le ministre de l'énergie c'est que vraiment la situation elle est totalement chaotique vraiment chaotique علاه. Donc la direction générale d'Assonatrac n'a pas voulu associer Abdelmajid Attar à la gestion de cette crise. Alors que Abdelmajid Attar est très bon connaisseur, c'est un ancien de l'amont, c'est l'enfant de la production, du secteur de la production, il s'y connaît très bien, il aurait pu réellement apporter des idées et des solutions en urgence. Toufir Hakkar, qui n'est pas de l'amont, qui n'est pas de domaine de la production, a préféré écarter le ministre et gérer tout seul, et faire un communiqué tout seul d'abord, et partir le premier sur le site, et faire une opération de communication, tout en sachant, tout en espérant qu'il va essayer de récolter les fruits. Il sait très bien que les fruits de cette opération de manipulation, pas d'opération, parce que Houa, il est le responsable de cette tragédie. Pour moi, c'est une tragédie économique, des millions et des centaines de millions de dollars de pertes. Et là, et on n'en sait même pas encore, on est au deuxième jour. Les évaluations techniques, les commissions d'experts, les commissions d'assurance. Vraiment, c'est un long processus. Vraiment, c'est que... Ça fait vraiment mal au cœur de voir comment le pays est devenu dans une situation déplorable. Déjà, où ça a fait le mal, ma sage, c'est ça. C'est ça, c'est la guerre de l'Ahliya. Où il y a des gens qui sont en danger. Où il y a des harakats djihadiens, musallahs. Où il y a des pays qui sont en danger, pratiquement, au-delà du chal. Où les pays ne sont pas en danger comme ça. والله غير نقولها لكم ما صانعش الحمد لله اذا الناس سونا تراك راهم يشوفوا فينا فو بوفي تيمواني سيل يا يو دي تراجيدي باغي بوندون لي زاني نوار فوي نو لدير فوي نو لسبليكي فوي نو ريفيلي جو سوي سور كو نو جي في مي ريشيرش اي سون لا بو فو كونفيرمي هذه الاولى
Le mouchkil est ça, encore une fois, la tragédie. Au lieu de travailler tous ensemble, la main dans la main, au lieu de faire front commun pour trouver des solutions et éviter d'autres pertes financières, le clanisme, la lutte de clans, la guerre des clans, la culture des divisions, Hakkar, il a écarté le ministre. 24 heures plus tard, il y a une jima asbah, Abdelmajid Attal, il a quitté Alger, il a sur place. Ou quitte la cause sur place, il y a en froideur. Ou que le wahad ou jadal. Hakkar, il dit à l'ennes, non, nous avons perdu juste 35 000 barils par jour, nous allons les remplacer par Hassim Saoud, ce qui est totalement faux. Il n'a même pas encore l'évaluation définitive. Il n'a même pas encore le résultat définitif de la commission d'enquête. Ou même pas. Est-ce que le premier train, il a été endommagé? À quel niveau on peut le récupérer? À quel niveau on peut le relancer? Oui ou non? Donc, les informations, les mêmes données, une PDG d'Assona, كذب ما كاين حتى حقيقة علمية تكلمها اليوم ما كاين حتى حقيقة باش نفهموا مليح هذه الأولى دو دو عطار يدي reconnaît que c'était très dangereux ce qui s'est passé que c'est une véritablement catastrophe et nous devons absolument trouver des solutions. Donc le ministre peut être à son attaque encore une fois dans la division, encore une fois dans la séparation. Encore une fois, nous avons un PDG qui fait un comportement de voyou, qui ne reconnaît pas son ministre de l'énergie. Le ministre de l'énergie qui est dans une position très inconfortable. Il est, le ministre de l'énergie, il a un légume sur une assiette de couscous. Khodra Fouketam. Abdelmajid Attal, إما أنت تحكم السيكتور دو لينيرجي إما تروح ديميسيوني راك تو انتخان دو ساليغ طون نون تو انتخان دو ساليغ طون نون تو انتخان دو ساليغ طون باركور افيك سو كي فا سو باسي افيك سو كي ديجا افيك سو كي سي ديجا باسي اي افيك سو كي فا سو باسي انكور هادو جماعة تاع لا مافيا بين حكام وجراد يفول ابسوليمون تو نوتراليزي اي تومبيشرون دو ترافاي مي يهضرو معاك مي يعطو قيمة Mais tout ce que tu envoies comme information à la présidence, ils vont récupérer ces informations pour se protéger. Chef dans l'affaire Tahal Merk, ils veulent même pas t'associer à la gestion de la crise. Houma, ils font des dégâts où ils essayent de manipuler les Algériens avec leur presse qui est aux ordres, qui ne se pose aucune question et qui ne fait aucune enquête. Le ministre de l'énergie, il ne sert absolument à rien dans les conditions actuelles. حتى واحد ما يسمع له في الوزاره تاعو ماهوش قادر يسير الامور في الوزاره تاعو. هذا البيتيجي تاع سوناتراك وليكيب تاعو يعني لي وي فيس بريزيدون اللي جابهم هو لي وي فيس بريزيدون اللي جابهم هو افيك لو نيفو با افيك لو ميديوكريتي افيك لو انكومبيتونس افيري ميتنون باسكو اون ان موا تروز انسيدون غراف de trois explosions, de deux pipelines, il y a un four d'un centre de production et de traitement des hydrocarbures du deuxième gisement de pétrole le plus important du pays, moins celui de Hassim Saoud, et pour moins que ça, on démissionne dans les pays que ça respecte. Pour moins que ça. Pour beaucoup moins que ça, on pose sa démission, on roule. Pour beaucoup moins que ça, il y a des commissions d'enquête, il y a des gendarmes, il y a des services secrets. On parle du secteur pétrolier, on parle de la vache laitière de l'Algérie, on parle de notre seule source de devises, on parle de notre seul gagne-pain, on parle de tout ce qu'on a pour vivre et survivre. C'est tout ce qu'on a, c'est le pétrole et le gaz, on n'a pas autre chose. Et dans ce secteur-là, il y a de l'amateurisme et du bricolage. وراح يصراو ديكات واحد اخرين وانا كنت نقولها لكم وقلتها لكم الضربه تاع الواد ما تشوف وقلتها لكم مور الضربه تاع توغورت كما طرطك فيها لو بايبلاين تاع توغورت لو 15 اكتوبر ديرني لو بريمي بايبلاين دو ليستوار دو الجيري كي رولي هود الحمراء من جوسكا الجاية وهنا راح يزيدوا يصراو ديكات واحد اخرين وشفوا على الهضره تاعي غابلي فو دو سكو جو دي يبا يافور دوتر ديغا بوركوا باسكو سي كوم سي فوز ات دون ان بلوك اوبيراتوار. Vous ramenez, au lieu de ramener le chirurgien pour faire l'opération et sauver la vie du patient, vous lui ramenez quelqu'un, raqi, psychologue, joueur de football, quelqu'un qui n'a absolument rien à voir dans le domaine. Ou t'lepsou le lepsa, t'as le chirurgien, et vous lui demandez de faire l'opération chirurgicale et de sauver le patient. Naturellement, ça va se terminer par une boucherie, et le patient ne pourra pas survivre, parce que le monsieur qui va lui faire l'opération n'est pas un chirurgien. N'est pas vraiment un chirurgien. C'est le cas de Sonatrach. L'équipe dirigeante actuelle de Sonatrach, Rachel Abnar,
وراح تكوني شركه راح يكون ليوها والتاريخ شاهد. وقولوا لي شكون اللي عنده الحق ونتلاقاو تاريخ شاهد. انا ما عنديش مشكل شخصي معاهم مش فاهم مليح. انا هذا حكار محمد سليماني امين ملايكا يمينة حكار مرت حكار لي زوتر فيس بريزيدون واش يسمي هذاك تاع طالب مسعود تاع ديريكتور دو برودكسيون سون تراك. انا ما تلاقيت بهم في العرس ما كليت معاهم بقلاوه ما عندي حتى مشكل معاهم. من نعاودها نقولها ما تلاقيت معاهم في العرس ما كليت معاهم بقلاوه. جو ني با دو بروبليم بيرسونيل اي جو مون فو دو لور بيرسون كي سوا بو كي سوا ماغر كي سوا غرو كي جو دونينو ولا اوز ايشيك جو مون تاب. مو سكي مانتيريس سي لانتيري جينيرال. سي جونا sont des incompétents. Depuis leur arrivée le 30 mars, depuis Hakkar, 22, début février, juste l'équipe Terre ou l'IJET, depuis le 30 mars, il n'y a que des catastrophes sur la drague. Des complexes de production à l'arrêt, des explosions, des incendies, une production, Hakkar et Goulet, notre quota est de 846 000 barils par jour. Mais nous n'avons jamais atteint ce quota. Nous n'avons jamais atteint ce quota. Nous produisons depuis le début de la crise sanitaire et depuis pratiquement le mois de mars dernier, nous produisons à peine 750 000, 740 000 barils par jour. Ce qui représente beaucoup de pertes pour nous. Vous êtes donc un danger de rien à faire. Ce gouvernement algérien ne fait pas de prévisions. Les dirigeants algériens ne savent pas faire des prévisions. Ils ne savent pas faire des scénarios de crise. Imaginez, au Baïd Sherroud, mashallah, le monde va reconfiner, qu'il y aura une deuxième vague, ou là, une troisième vague, ou là, une nouvelle vague de contamination dangereuse, et que tous les pays grands consommateurs de l'énergie vont reconfiner encore, comme l'Europe occidentale, comme une partie de la Chine, ou là, de l'Asie, les États-Unis, le baril de pétrole va chuter encore, et l'OPEP sera obligé de remettre, ou là, de augmenter encore une fois, la baisse de production. Et là, plus le quota terna yonkos, plus notre capacité d'exportation t'impose. Ce qui fait que l'Yom, le Kain Baïd de Charlotte, c'est une crise mondiale. Le deuxième gisement de pétrole, t'as un là, on produit plus rien. Le premier gisement, les Ptah Hassim Saoud, les puits, les Rakhnaum, Naoudoun Hemlohom, pour produire et essayer de récupérer le maximum de barils de pétrole que nous avons perdu fin de merc. Le Kain Baïd de Charlotte, il y a une crise mondiale. L'OPEP fait une réunion d'urgence. Vous voulez que Naoudoun les 10 millions de barils par jour. Maintenant, pas de 8 millions et quelques. Naoudoun les 10 millions, ils doivent même plus. Pour stabiliser les prix, parce qu'aucun pays au monde n'a intérêt à voir ou là, à vendre un baril de pétrole inférieur à 40 dollars. Il a payé le baril de pétrole à 40 dollars, le monde entier est perdant. Les États-Unis sont perdants, l'Arabie Saoudite est perdante, l'Iran est perdante, la Russie est perdante, tout le monde est perdant. Donc, je laisse me dire, il faut en extrême urgence renforcer nos capacités de production, diversifier notre production pétrolière et créer une industrie pétrochimique. Renforcer nos capacités de stockage, protéger, faire un travail de maintenance et de surveillance accru et très pointu des installations actuelles, sinon on va être exposé à d'autres risques. À d'autres risques de quoi? Les risques d'explosion, ça a toujours existé dans l'industrie pétrolière. Mais pourquoi avant, dans l'histoire de l'Algérie, ça ne se passait, ça n'existe, il n'y avait pas ce genre de drame? Parce qu'avant, il y a Jemaa, son attraque, il y avait Nes, qui a nous fait le Moustawa. روحوا شوفوا في التسعينات وروحوا شوفوا الناس اللي كانوا خدامين في سوناتراك من قبل vous allez voir que nous avons des gens d'expérience. نيمهم عبد المجيد عطار اللي كان وليد لامون هو وليد لا برودكسيون دو بترول وليد ليكسبلوراسيون وليد ليكسبلوطاسيون. من اليوم يعني شوفوا كومون الجيري est en train de fonctionner aujourd'hui. l'ignorant حكار وجماعته ils ont le pouvoir, ils se permettent de sauter le ministre, ils sont protégés par le premier ministre, ils sabotent le pays, ils causent des dégâts, ils causent des catastrophes sur le plan majeur, environnemental, mais sur le plan financier, économique et environnemental. Et celui qui est formé dans ce domaine et qui a été nommé ministre de l'énergie, il n'a plus aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. La solution, je sais pas. Au-delà du secteur des hydrocarbures, parce qu'il y a les catastrophes, il y en a dans les autres secteurs. On en parle là, quotidiennement. Plus le secteur de la santé, le secteur de l'industrie, le secteur de la santé, le pharmacien, l'industrie pharmaceutique, des catastrophes, il y en a partout. Sauf que quand il y a une catastrophe dans le secteur des hydrocarbures, ça a beaucoup plus d'impact
sur la situation du pays, sur les finances du pays, sur la stabilité et les rentrées de devises du pays. Parce que le secteur des hydrocarbures, encore une fois, c'est notre seul poumon économique, c'est notre seule vache laitière. Mais dégâts que l'on est dans les autres secteurs ont beaucoup moins d'impact sur la vie des Algériens, leur quotidien, ou là sur la stabilité du pays, parce que les autres secteurs ne créent pas de richesse. Il faut savoir que les pas 45% pratiquement, entre 45 à 50% des recettes fiscales de l'État algérien viennent directement des hydrocarbures, ça vient directement des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'on a la fiscalité pétrolière, Hapta, le déficit de l'État algérien est là. Et des interfois, je m'en ai, j'ai bien qu'il y a des Algériens, les Arfoua, mais malheureusement, malheureusement, je fais mina, malheureusement, je fais mina avec Douda. Et lui, Ramit Khilmouna a dit d'Estour, Yajma, normalement, dans un pays qui se respecte, le deuxième gisement de pétrole du pays, Habs, Wurlak, normalement, le président de la République, Yabot, les Choufs, Baini, en Chafsari. Et normalement, il y a un conseil de sécurité. C'est une atteinte à la sécurité nationale. Le deuxième gisement de pétrole du pays, Yajma, vous imaginez. Hadi Lukasat, l'Arabie Saoudite, ou la Sat, le Koweït, ou la Sat, l'Irak. Ou la Sat fi Aïdoula, fi Iran, ils diront un conseil de sécurité, ils diront, harb, ça harb le blé avec. Parce qu'on touche à la richesse nationale. Ou hnaya, pendant ce temps-là, mais herjouit que le monnaie est de stour, ou de stour, ou chindir au bête de stour, hada. Ou chindir au bête. Mais il se lâche l'ouelo de stour, hada. Tchelleka, mais il se lâche l'ouelo. C'est le secteur économique qui nous fait vivre. C'est le secteur économique qui permet de nourrir, de donner des salaires, d'alimenter nos concitoyens et de leur permettre de vivre et de survivre aux crises, à toutes les crises que nous vivons chaque jour. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Tout le gouvernement est mobilisé pour parler de la Constitution. Pour moins que ça, un incident pareil, t'as ta station d'essence dans des pays qui se respectent. Une station d'essence, t'attaques, et tu loisis le premier ministre, le président Yardin, la commission d'enquête, etc. On a le deuxième gisement de pétrole du pays, rah, rah, président Mahdarj, premier ministre Mahdarj, Jarrad, il bat les tables, ou les chaises, et les tables, à une école, dans la wilaya, dans il n'a même, s'est même pas exprimé sur l'une des plus graves catastrophes économiques du pays. C'est grave, Yajma. C'est grave, rien qu'au kilmer tibboun. Ya tibboun fiq rrouhak. Ya tibboun rami l'a'bou bik. Fiq rrouhak ou rami l'a'bou bik. Aram y'anik l'khmaj hada. Aram y'anik l'zbel hada là où ils sont dans bik. Rah yidouk l'hlak. Rah kout t'tqbou fil blad. Le pays est en train de s'effondrer de jour en jour. Là, c'est le deuxième gisement de pétrole. Avant, c'était le premier complexe, en ce moment, je vous l'Algérie Lyon. Le premier complexe de GNL, Derzieux est à l'arrêt. Le premier complexe de GNL, de production de GNL est à l'arrêt. Le deuxième gisement du pétrole est à l'arrêt. C'est le deuxième complexe de production de GNL. Skikda, il était à l'arrêt pendant 9 mois. Il a été relancé que récemment. La production d'Ala nationale n'atteint plus son niveau, le niveau qu'elle devait atteindre, c'est-à-dire les 800 000 barils par jour. Les exportations en baisse, puisque la production est en baisse, les prix du gaz, le gaz, là, on fait battle, là, on le prix, etc. Des sources des revenus en baisse, une production en baisse, des filiales de Sonatrach totalement déficitaires, aucun plan d'action, aucun plan de travail. L'Algérie est dans une situation sinistre. Même janvier 2020, là, on a une catastrophe, une catastrophe. من كاتاستروف كاتاستروف وين رانا رايحين وين رانا رايحين بهذا وين رانا رايحين في الكومبلكس بتروشيميك نو زافون دي كومبلكس بريفي اللي درناهم لا سولفيرت مع اللي شراوها الاماراتيين على لي ايجيبسيان دون لي سبيكتاتيف اوا لو كومبلكس اوا ثانيك كي فابريك لي زونغلي مع العمانيين كيف كيف راهم دون لي سبيكتاتيف توتالمون total, dans l'expectative, des projets ont été totalement gelés, des projets Habsin, Augusta, l'affaire Augusta, aucun plan d'action pour rentabiliser Augusta, pour limiter les pertes. Nous avons perdu plus de 500 millions de dollars et d'ici la fin de l'année, nous risquons de perdre presque 1 milliard de dollars vers Augusta. Aucun plan d'action. Mais je te ferme, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trahissent pas. Ou mes ailes, Mouchkira. Mes ailes, ou mes ailes, ou mes ailes. Pourquoi tout ça?
Parce qu'il y a un aveuglement au niveau du pouvoir. Un, parce qu'il y a un aveuglement, parce que nous avons un président de la République qui n'est au courant de rien, qui ne maîtrise pas ses dossiers, qui est entouré par des menteurs et des clowns, qui lui disent ce qu'il veut entendre, mais qui ne lui disent pas les vérités qu'il dérange. Abdelrahman Alaouya, le ministre des Finances, mais quand il dit comme ça, l'ancien ministre des Finances, leader Abdelrahman Alaouya, l'ancien patron des impôts, qui a tombé janvier au juin, parce qu'Abdelrahman Alaouya, quand il dit comme ça, il est en crise. Nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent. Les signaux sont tout rouges. Il n'a même pas eu le courage d'aller au Parlement et de présenter la loi de finances de 2021. Tellement la loi de finances de 2021 est mal faite, elle est mal formulée, il y a plein de déficiences. Il y a plein de défaillances. Elle-même, c'est une loi jetable. C'est une loi jetable. Dévaluation excessive, chiffres mensongers et faux sur les réserves de change. Je ne lâche même pas. Je ne lâche pas. Hadil Loula. Deuxièmement, je vous les membres du gouvernement. Un gouvernement fantomatique. Attendez pas. Un gouvernement fantomatique. Avec des ministres. Je vous fais un gars. عمر بالحمار راك تشوفوا شنو يهضر يتمسخر بالناس ولي فيك نيوز او بور بارول دو غوفرنمون سيتو دا كومونيكاسيون مصيبه كامل رزيق راك تشوفوا فيه كامل رزيق خروطو في الفستيك راك تشوفوا المستوى تاع وزير التجاره كرعين الدجاج اكسيتيرا نروحوا نشوفوا اسكو كمال ناصري ميز دو لابيتا سمعتوا به كمال ناصري هذاك اش ما راهو يدير هذا كمال ناصري راهم يخلصوه يديروا له ان سالير جوست باش كيجيو التراكا كي يجوا لي زونتربريز تورك مهند وجماعته يا يستقبلهم يمد لهم لي بروجي تاع كاع البي تي بي الجيريان ان مينيستر الجيريان كي بيي بار لو سالير دي الجيريان بار لان سالير بار لي بار انا بار لو سالير يعني بيي بار دو لارجون بوبليك كي فيان دو تريزور بوبليك دو ليتا الجيريان جوست بور فاسيليتي لي زافير دي زونتربريز تورك هذا كمال ناصري نا ميم با في ان جيست بور لي زونتربريز ناسيونال كي سونت ان ترين بيردر دي ميلي دومبلوا اي كي سونت ان ترين دو فير فايت روحو Le ministre de la Rome, Farhat Aitali, l'industrie, Moussiba. L'industrie, il y a l'importation des véhicules. Il n'a pas relancé un projet industriel. Mettre une stratégie industrielle. Mettre une idée. Il cherche comment importer des véhicules. Il y a un architecte pour faire l'industrie ou le ministre des importations. ولا علاقه لهم على الاندستري السيد كان يخلع شويه في البلاطو دو تيليفزيون عطاو له لو مينيستير ها تخبها كاع ميم لو كاي تشارج سور دي زامبل امبورطاسيون دي فيكول il en a mis il a mis 6 mois pour le pendre alors que pendant 6 mois دول خدموا طوموبيل يمشيو بالهيدروجين لي فواتور الكتريك راهم لي روبو en 6 mois ce que les pays ont fait حنا en 6 mois notre ministre de l'industrie il a pendu un cahier de charge pour l'importation des véhicules neufs Où le projet est les voitures d'occasion de moins de 3 ans, mais Abdi Sebulonhel, il n'a pas trouvé de solution. Quand il n'a pas trouvé de solution, il a commencé à faire le fantasme des théories du complot. Là, il y a une bande de mafia, Abu Djibouna la ferraille, là, il y a une chute de vis, là, il y a le groupe d'industriels, Haftin Rahinga. Il n'y a aucune entreprise de l'industrie qui marche. Le secteur industriel marchand en Algérie, c'est le secteur qui a été le plus touché par les pertes financières de la pandémie du coronavirus Covid-19. Les chiffres ont été annoncés et confirmés par l'Office National des Statistiques. C'est des chiffres que nous avons confirmés cette année fait Algérie Part. C'est la palme d'or du mensonge, de la palme d'or de l'absurdité, la palme d'or de l'hypocrisie, etc. etc. Brahim Boumzar, crise de liquidité, Hakim al-Posta, taqabla rahmat taha, ijibou fi sahabhom. Brahim Boumzad, nous sommes en pleine crise. Au lieu de trouver des solutions pour le débit internet, au lieu de trouver des solutions pour la poste et relancer le projet de la banque postale, Rah Djab Sahbou, Kikan Houa, Hakam l'agence, Hadik Tassidi Abdallah, une agence fantomatique, une agence d'études sur le secteur numérique, etc. Rah Hato PDG Ta Mobilis, ou Rah Djab Wahed, un PDG qui n'a aucune
aucune compétence حطوا في الجيري تيليكوم باسكو علاه باسكو عنده نسيبو راه نيميرو 2 تاع الجيري تيليكوم حشم يحط نسيبو نيميرو 1 جاب واحد اون ماريونيت نيميرو 1 باش ما يفهم فيها والو باش نسيبو يبقى نيميرو 2 ونسيبو هو اللي يحكم كلش وجاب صاحبو اللي كان يخدم في جيزي اون 2019 اون 2018 اون 2019 قبل اون 2016 il a fait une mission nous avons tout révélé sur Algérie Part il a fait une mission de consulting pour Mobilis alors qu'il travaillait encore pour Jizzy. Et les ingénieurs et les cadres de Mobilis faire colo, ils voulaient prendre des documents secrets chez Mobilis pour les donner, les espionner et les donner à son concurrent direct qui est Jizzy. Ou à d'ailleurs, on a pu dire directeur général de Mobilis. Je vous dis à quoi je suis. Ou à des hâtes fensibou. Abdelaziz Jalad Ijib, ou les deux bleds, pour lui recruter son fils. L'autre, il dit, malabalish, l'autre, il m'a créé un judge. الاخو في مينيستر د الاندستري يخدم غير فنسا وما كان والو يضل غير يحشق ويحشق والخدمه لا ما والخدمه ما كاش عيب عيب سيد الو ميور سيد علي خالدي سيد علي خالدي مينيستر ترونسبور مينيستر لا جونيس خرج هنا طاي طاي امور وي لايتي اونيت قال لنا روحوا كاع ما عندي ما عجبوش الحال يخرج من البلاد روحوا ما سحقوكمش On n'a pas besoin de peuple. Il a dit clairement, nous n'avons pas besoin de peuple. Il a dit, même pas de vidéo lion pour s'expliquer, là, là, où se m'houle, et me femme tout n'a jamais. Il y a eu des rames, tu me seras benaz. Tu es ministre des sports et de la jeunesse. Où je t'achète la constitution? Où je t'achète la campagne électorale pour la constitution? Nous avons les stades de football, les Bdinahom, les Chinois, ou alors le stade de Brequé, ou alors le stade de Odoran, avec sa pelouse, dans la FRGDT, avec le FRGD Park. Un scandale qui vient une pelouse qui n'est même pas prête. Pourquoi ne pouvons pas accueillir une Coupe d'Afrique alors des pays comme le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale peuvent organiser une Coupe d'Afrique? C'est ça les sujets sur lesquels on doit travailler. J'ai dit les fêtes, j'ai dit les rejeter, ou être crémé à l'aide de Stour, ou être le clair et match bouche le halira, etc. etc. Mad, monsieur Benaz, ça c'est un gouvernement? Est-ce que ça c'est un gouvernement? Dawara Hiraiba! الدعوة راهي رايبة الدعوة راهي في خطر البلاد ما راهيش في أيادي آمنة نقولها لكم ونعاودها لكم البلاد ما راهيش في أيادي آمنة يا تبون راح يدوك للهلاك والتاريخ يحاسبك انت ما يحاسبهمش هما هذا سيد أحمد خالدي فرحات أي تعلي توفيق حكر جرات شوية بالك التاريخ يحاسبه ما هو التاريخ يحاسبك انت بس كنت اللي لم يوسخوا فيك انت اللي راح يباصي تحت باصي بهم هز عليك هز عليك هذا الخماج هز عليك هذو الناس الضعفاء ادي قرارات ادي قرارات وانا نقولها لك برون دي ديسيزيون اسيوم تي ريسبونسابيلتي برون دي ديسيزيون دون لي بلو بريف ديلي راهي رايحه بعيد لافير هذه راهي رايحه بعيد لافير هذه لو بيي تون تران دو سو رويني دو سو رويني نو سالون ابورتي لاني 2021 افيك بوكو موان دارجون لي ريزيرف دو شونج نو بورون با تونير اودولا دو 2021 نو سالون ادر دون دي سيتواسيون اكستريمون ديفيسيل La souveraineté du pays sera menacée. La souveraineté du pays. Moi, je dis, je pense, la solution, elle est simple. Où nous avons des ministres, nous avons des ministres folkloriques qui ne pèsent rien, qui ne font rien. Nous, les ministres folkloriques de ce gouvernement folklorique est en train d'aggraver la situation du pays. Et bien, nous avons des vrais ministres qui peuvent décider, qui ont carte blanche et qui peuvent travailler. Et bien, il y a quoi démissionner. Nous, le gouvernement. خلوها يحكم بلاد شكون يحكم بلاد جراد مع صاحبو توفيق حكار وخلو كامل رزيق وفرحات اي تعلي ديروها بيناتكم ان جروب دو 4 بيرسون وخلوها وحدكم اي كنتوما فوفولي فوفولي البوفوار بو فو ميم خلو سيد احمد خالد سيد علي خالدي وحنا نروحو كاع من البلاد هذه وانتوما خلوها وتقبوها وخلي التاريخ يهضر عليكم فوسخي فو رونتخوري دون ليستوار كوم ايتون لي ديستركتور دو ليسبوار de tout un pays, comme les destructeurs du potentiel d'un pays jeune, d'un pays qui aurait pu être riche, d'un pays qui aurait pu être une puissance économique, d'un pays qui aurait pu être parmi les clubs, qui aurait pu être le leader des pays émergents, comme il était le leader durant les années 70 des pays du tiers-monde ou là des pays du fameux mouvement des non-alignés. Voilà ce que l'Algérie nous avons, voilà ce que l'Algérie est devenue à cause d'une clique d'irresponsables, de clowns, de gens incompétents qui veulent rester au pouvoir coûte que coûte. Anna Abdelmajid Attal, ravené, welcome sincèrement, parce qu'il a des compétences. Et ce monsieur, Wallahi Ajmaa, ce monsieur, il a des compétences. Pour ça, Wallahi Ghari, Ghari, Wallahi, Anna Radoni, Zouj, Hikaya Hadiga, Lyon, Lyon, Zouj,
Abdel Majid Attar ou Bokadom? C'est les deux seules compétences du gouvernement. Bokadom, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Abdel Majid Attar au niveau du ministère de l'énergie. C'est vraiment un gâchis. Wallah al-Adim Yajma'a, c'est vraiment. Sabri Bokadom ou Abdel Majid Attar, c'est vraiment, vraiment un gâchis terrible. Alors que Dieu fait, apparemment, il y a un problème technique. Je sais pas que ce m'a fait la HMA, il y avait un petit problème. Il y avait un petit problème de coupure. Quand on compte un ministre qui n'arrive pas à changer ou là à remplacer un chef de sécurité du ministère qui était censé lui-même, s'il n'était pas en congé, c'est lui-même qui était censé lui faire un bulletin de sécurité et lui dire voilà où je serai au Sahara. Voilà où ça fait son attaque, elle t'attaque le deuxième gisement le plus important du pays. C'est droit au congé. Sociologue. Khaberji, la moustawa, la alaqa lahum à la sécurité. Il prétend être colonel, c'est grave. Il gueule un colonel, on arf, on arf, kout narf Bouazza, ou kout narf Kaidi, ou kout narf Hicham ta Antar, ou kout narf Smaïl ta Antar. Ou c'est un mythomane. Un mythomane à la tête de la sécurité du ministère de l'énergie. Oui, il hakna. Abdelmajid Attar ne peut même pas le changer, ne peut même pas le toucher, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Le secrétaire général du ministère, Djadjarad ou Hakal, Aboulou Brasso, Gelukhdemana, Tarak, secrétaire général, Hnan Hattok, Lugo, Hnaï Abdelaziz Djadjarad, premier ministre, Gelukh, Hnan Hattok, Nadamad, la présidence. Mais c'est pas lui son chef. Le secrétaire général du ministère de l'énergie ne s'entend pas avec son propre ministre de l'énergie. قال له مستعرفش بما ما يحبش يخدم معاه يحب يخدم غير مع جراد ولا مع توفيق حكار تاع بي دي جي تاع سون اتراك اي نا بلو دو بوفوار عطار اون لا بريفي سون بوفوار راه داير لي نوم عمي من عمر كي الرقاصه يجيبوها من سبيكتاكل لسبيكتاكل باش يشبحوا بها واو يشبحوا بها باسكو مول العرس يحب يجيب وحده رقاصه باش يديروا لومبيونس عيب نو تيرميني با فوتر كارير نو تيرميني با فو في Protégez vos noms de cette ignominie. Le professeur Chitour. Le professeur Chitour, meskin. Insan qari. Habina ou la karana, insan alam. Professeur Chitour. Nana qadr au professeur Chitour, Shamsuddin. Nahawa l'enseignement supérieur. Ma ando ni budget. Attends le ministère de la transition écologique. La transition énergétique, soi-disant. Ma ando, meskin. Ma ando budget. Ma ando encadrement. ما عنده طوموبيلات اربع وافكيش اربع وافي بيرو في مينيستير الانرجي ما عطاولو والو بهتلو بيه يا شمس الدين يا شيطور ادخل داركم ادخل داركم على تكمل حياتك في التمسخير على تكمل حياتك في لوميلياسيون واش من ترانزيسيون انرجيتيك حنا عندنا واش من ترانزيسيون انرجيتيك حنا لو دوزيام لو جيزمون بيترول طرطق كاع دوزيام عندنا حنا بور جيري دي كاناليزاسيون ناريف با الفير هابط الطح بمستوى على سو بوان وانت تكمل على ترانزيسيون انرجيتيك ما عنده ما طاولو ني بوفوار ني دوفوار ني بودجي ني طونوبيل ني ويم ان مينيستير توتالمون فولكلوريك يا جماعه انا نوبليس سي لو مومون دو سورسو سي لو مومون دو بروند دي ديسيزيون سي لو مومون دو سونجاجي بور سوفي لو بيي لالجيري باس بار دي مومون هيبر ديفيسيل hyper difficile, vraiment hyper difficile, pas des moments cruellement difficiles. Et ça, ce n'est que le début d'une série cauchemardesque qui peut ne pas s'arrêter là et qui peut aller très très loin. De grâce, pour ceux qui veulent changer les choses, ils doivent comprendre que ce système, si le président Tebboune ne prend pas des décisions en urgence, il ne va pas se ressaisir pour prendre en main les choses, vous êtes complice de la destruction programmée du pays. Vous êtes complice de la destruction programmée du pays. Rabbi jib el khair, inchallah chaab el jazair yaoudi nod, wifiq el amro, bach ytalb bi taghyir jidri w taghyir haqiqi, seul le changement profond, seul le changement sérieux, seul un programme de changement efficace peut permettre à l'Algérie de rebondir et d'éviter une véritable catastrophe. Ce soir, c'était le deuxième gisement de pétrole qui était à l'arrêt et qu'on a perdu. J'espère qu'on perdra pas d'autres gisements, qu'on perdra pas d'autres richesses
Et j'espère surtout qu'on évitera les plus grosses pertes qui nous empêcheront vraiment de construire l'avenir avec sérénité. Je vous remercie énormément. Merci d'avoir veillé avec nous. Une dernière remarque. J'ai remarqué que le PDG de Sonatrach, qui déjà a fait un Sahara, كي جا طالع عاود طلع من ملك رفدو حطوه في طياره نسخت دافيون كي ابارتي لا فلوت دو سوناتراك دونك كادر دو تاسيلي صافيليا تاسيلي ترافاي تاسيلي ايرلاينز وعاود بالطياره عاود طلع لا كابيتال. انا كان جيت في بلاصتكم يا جماعه انسان لي من اللي جا البوفوار تيوات وطردبو لي كاناليزاسيون لي كي سون كي اكسبلوزي لي درام ايكونوميك لا شوت دو برودكسيون les chiffres en baisse, les complexes de production qui sont de gaz qui sont à l'arrêt ou qui ont été arrêtés pendant plusieurs mois. Allah ya jma'a na mamou bouk khliwa khli yedkhol api ou la yedkhol bel brouila avec bel hmar ou bel jmel ou khli qsamou f sahra khsara alayh kérosène kérosène yermitou alayh ou khsara alayh kérosène hadouk ou khsara alayh. Mais que voulez-vous, les ignorants sont traités comme des princes et les intelligents et les mériteurs et les méritants et les compétents sont traités comme des traîtres. Voici la nouvelle Algérie, celle qui nous rend vraiment tristes. Tawala khair, bonne nuit. Je vous souhaite, Yajma'a, de passer une agréable nuit. Allah yajib al khair, la confiance.